tous, c'est Sandar. On se retrouve pour ce tout nouveau Let's Play avec moi. Voilà, c'est à mon tour, c'est plus Sarah. Donc je me retrouve sur, vous le voyez sur l'écran, c'est un jeu Doctor Who. Donc c'est un, c'est The Adventure Games, ça s'appelle. Donc c'est un jeu en plusieurs épisodes. Il existe 5 épisodes je crois de mémoire. Donc c'est la BBC qui avait créé ce jeu et qui l'avait diffusé gratuitement en gros. Donc on l'a récupéré illégalement, bien sûr, parce qu'on ne le trouve plus, la BBC ne le fait plus. Donc du coup on a réussi à le trouver, on n'a pas trouvé le 5e épisode. Voilà, donc il y en aura que 4, tant pis. Mais c'est déjà ça. Bon, déjà je vais créer un nouveau player, parce que je ne m'appelle pas Saran. Voilà, moi je m'appelle Sandar. Ah, c'est un QWERTY, c'est chiant. Voilà. Et donc... Épisode 1, ça s'appelle City of the Daleks. Ah oui, donc du coup, ce jeu est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire la plupart des choses. Hein, je vais pas vous laisser en galère, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti. Oui. Donc vous avez vu, il y avait Matt Smith et Amy Pound, du coup. Donc le docteur 11 avec sa compagnonne, Amy Pound. Je suis trop heureuse de faire ça parce que j'ai trop envie d'y jouer, c'est trop bien, ça a l'air trop bien. J'ai pas du tout essayé. Sarah a un peu testé du coup lui de son côté hein, pour les réglages parce qu'il m'a fait un bel habillage, vous avez vu ça, c'est magnifique. Avec la doctoresse juste en bas là, elle est trop bien. Oh. 1963, c'est une belle année, ouais. Donc là, elle l'a un peu vanné en lui disant que c'est l'année où il a acheté son costume. Bon, je pense que la plupart des choses, vous allez comprendre quand même. Donc Ringo, c'est le batteur de Beatles. Donc c'est vraiment l'humour de Doctor Who, c'est trop bien. Beatles' first two albums. Sean Connery as James Bond, ouais. Kings, The Rolling Stones, Mary Quant. Alors 1963, c'est aussi, il faut le dire bien sûr, c'est l'année du premier épisode de Doctor Who. C'est pour ça qu'ils choisissent cette date, je pense. Oh, le jeu est très beau en soi. Hein. Les graphismes sont magnifiques. Impossible. Impossible. Ah, ah, il y a un truc qui va pas. 2963 or something. There's no mistake, this is 1963. Ouais, mais c'est passé un truc là, en 1963. How? What or who could have done this? Something with the particle time on a massive scale. Doctor, look. Regardez, il y a une joggeuse. Ah non, je croyais que c'était une joggeuse, pas du tout. Ah, Alalek. Trop bien. Oh, ils veulent nous exterminer. Oh, trop bien le générique. Trop cool. C'est magnifique. Donc, c'est un jeu de point and click, je crois. C'est un jeu à la souris, en tout cas. Donc, c'est le principe. Donc, Karen Gillan qui fait Amy Pound. C'est vraiment le générique, hein, c'est trop bien fait. La ville des Daleks, by Phil Ford. Elle va lui exploser la gueule. Ah, elle a un peu raté quand même. On sait pas qui c'est, genre on la connaît pas. Hein. Now we've got to talk to her. Il faut lui parler. Come on. Oui, bah du coup. Alors, comment ça se joue? Donc, look and move. Move the mouse to look around the environment. Donc, il faut bouger pour regarder autour. Touche de droite pour avancer. Et, or, you can use the cursor keys. Donc, les flèches directionnelles, sinon, pour avancer. Je pense que je vais prendre les flèches directionnelles. Hein. Plus habitude. Ok, assez fluide. C'est un peu bizarre parce que ça tourne un peu plus vite que la souris. C'est bizarre. Bon, on va s'y habituer, je pense. Il faut régler la sensibilité. Alors, main menu? Non. Non. Non, bah non, on peut pas. On peut pas, bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller comme ça. Pour régler sur l'épisode 2. Pour l'épisode 2, on réglera ça, comme le dit Sarah. Tout à fait. C'est lui mon technicien, de toute façon. Donc... Alors, là, nous avons un...
Ah, collectables. You can pick up collectables as you explore the game. Keep your eye out of them. Donc c'est des trucs à collectionner, c'est cool. Ah. Collect, du coup, il faut... cliquer, ouais, du coup. You found a card, Sisters of the Water. C'est trop bien, c'est des cartes. C'est trop bien, ouais, les cartes. On peut parler, Amy. Donc elle dit qu'elle s'est échappée dans le trou. Alors moi je vais pas parler parce qu'il y a des Daleks, j'ai pas envie de me faire exterminer. When you get close to something or interest, it will glow. Donc ça va, oui, comme on a vu, hein, on peut. Il y a des actions, il y a des petits rouages pour dire qu'il y a des actions. Il faut cliquer sur le bouton de gauche. Logique. Donc là on peut cliquer par exemple. Alors, we need to find a way to break. Alors, il faut trouver un moyen de casser la baraque. La baraque. Oh, examinez. Il n'aime pas la façon que ce taxi est en équilibre. Putain, j'ai du mal à trouver mes mots du coup. Ah ouais, d'accord. Si on fait un mauvais mouvement, ça peut du coup tomber sur eux. Donc, si on est bloqué, on peut appuyer sur échappe pour savoir ce qu'on peut faire. Il faut parler à Amy pour qu'elle nous aide, ça j'avais compris. Et n'oubliez pas, d'autres personnages et même des objets peuvent avoir des situations qui peuvent aider. Donc, comme ce taxi, je pense qu'il va nous aider à casser la barrière. Si je suis pas trop con, normalement, c'est ça. Ah, il y a un journal. Ah, et du coup, on peut récupérer le journal. We found a fact. Who fact? Newspaper. D'accord. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs à collectionner, je pense. Ou... ah non, c'est des indices, je dirais. Fact. Des faits. Ça veut dire fait en français, mais je saurais pas trop. Alors par où on passe là? Faire le tour. Ah, il y a un truc. Pareil. What fact? Nelson Column. Ouais, ok, ça raconte le personnage. Ah oui, c'est ça. C'est pour c'est le côté historique de Doctor Who, quoi. Moi j'aimerais bien pouvoir faire le tour s'il vous plaît. Ah oh, putain, il y a des trucs partout. Allez! Ah, oh, trop bien, Smiler! Et ils font trop peur, eux. On les a vus au Doctor Who Experience, ils faisaient peur. Alors est-ce qu'on peut passer par là éventuellement? Je sais pas si je peux. Ah non, ça c'est. Ah d'accord, il y a le tournevis sonique là. En appuyant sur espace. D'accord, je pense qu'on pourra l'utiliser. Quand on pourra, mais je voulais en fait sauter, mais on peut pas, je crois, on peut pas sauter. Ah, il y a ça. Ah non, c'est un fact encore. Ok, on a un bus. Super. Super. Ça m'aide pas. Mm-hmm. Là, je peux pas passer, non. Là, je vous avoue que c'est pas du tout évident, là. Dès le début. Faudrait que je passe de l'autre côté, hein. Vraiment. Alors, par là. Ah, peut-être par là. Ah, si, il y va. Je me suis dit, putain. Look out for that Dalek. Maybe we can avoid it if we're careful. Ouais, on peut les éviter si on est careful. Alors, Stinis. You will automatically crouch down when enemies... Ah, ok, donc ça se fait automatiquement. On se baisse, en fait, quand il y a des ennemis à côté. Il y a des warning icons we show, d'accord, donc pour dire si on est en sécurité ou si l'ennemi nous a détecté, comme tous les trucs de furtif en fait, c'est souvent comme ça. Et il faut éviter l'arc coloré, donc en gros c'est là où il nous voit quoi. Faut éviter cette zone là. Si j'ai compris, normalement c'est ça. Ok, donc on va laisser de pas aller trop vite. Donc, pour l'instant, donc on a l'icône, ouais vous le voyez, c'est bon. L'icône en vert, donc tout va bien. Donc il faut éviter leur zone, voilà, exactement comme ça, là. Ah, ça fout les boules un petit peu. Ok, alors par où il va aller? Il va parler, ça. Parfait. Par là. Je sais pas s'ils font tous le tour. Non, je crois qu'il y a que lui qui se déplace. On va y aller YOLO Tug Life un peu, on va avancer. Hop. Ah, il y a un collectibles. Ah, le sixième docteur. Trop cool. Super cool. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. C'est un peu le bordel. Alors, il faut que j'aille plus loin, du coup. Au moins que je passe à côté de... À gauche. À gauche, tu dis? Ah oui, là. Bah oui, je suis con. Ah, je vous préviens. Je n'ai pas du tout le sens d'orientation. Que ce soit en vrai ou dans les jeux. Et du coup, bah, j'ai un peu du mal à m'orienter.
Donc j'ai souvent tourné en rond. This looks like it could smash through that barrier. Amy, can you give me a hand? Voilà, c'est ce qui me, c'est ce que j'ai dit. Grâce au taxi, ça va aller dans la barrière. Well, not exactly elegant, but it did the job. Oui, ça fait le café. It's dark down there. When I said I wanted to meet the Beatles, I meant the band, not the box. Elle fait un jeu de mots avec les Beatles, qu'elle voulait rencontrer le groupe et pas les insectes. Parce que Beatles, c'est des blattes, non? C'est quoi? Ouais, les blattes cafards. Blattes, ouais, cafards. Ah, on peut sauvegarder. Ah non, ça a sauvegardé. Cool. J'ai pas lu du tout ce qui était écrit en bas. Bon, c'est pas grave. Alors, inventory. You can pick up some items and use them. Ok, on peut avoir. Bah, comme le. D'accord, le Sonic. Le tournevis Sonic. Cool. Ah, he's locked. Donc il faut utiliser le tournevis Sonic dessus. Ton clic de molette. Logique. Clic de molette, ça marche comme ton espace, si ça t'arrange. Ok. Be careful down here. Ton clic de molette aussi. Ok. You never know what you're gonna find on the underground. Rats, dinosaurs, yetis. On peut tout trouver de tout dans le trou, c'est vrai. Don't move. Ah bah elle est là. Voilà. Hello. Hello. Calm down, we're here to help you. How can I trust you? Do we look like Daleks? Humans have to stick together. Non, ils ne ressemblent pas à des Daleks. Alors, c'est des voix originales, hein, il me semble. On les a pas vues en anglais, ces épisodes-là, mais j'ai déjà entendu la voix de Matt Smith. C'est bien leur voix. Donc, ils ont envoyé la Terre, les Daleks, comme d'habitude. Donc, ils ont fait un trou dans le ciel et ils ont... Voilà, parfait, ils nous montrent. Oh mon Dieu. Mais pourquoi ils ont fait ça? Du coup, c'est les anciens Daleks, hein. C'est les rouges, là, c'est les vieux. Il devrait poser une question, là. Donc, comment avez-vous survécu? Est-ce qu'il y a d'autres survivants? Moi, je pense que si j'étais le docteur, je demanderais d'abord, bah, logiquement, est-ce qu'il y a d'autres survivants? Parce que comment elle a survécu, on verra ça plus tard, quoi. Parce que c'est caché, quoi. Us against the Daleks. They destroyed everything. Ils ont tout détruit. Il y a juste elle qui reste. The last human being. That's what the Daleks said. Well, it was wrong about that, wasn't it? There's you two. Ouais, ils avaient tort. Il y a nous aussi, mais bon. Les Daleks ne peuvent pas faire ça. Bah, si, quand même. Donc, on va là poser la question comment elle a fait pour survivre. Du coup, comme c'est la seule. The Daleks defeated the army straight away. But the ordinary people fought for a while. Donc, ils se sont battus contre eux. Fast when you have to. Et elle apprend vite du coup pour survivre quoi. Ouais, pas trop répondu. Ah du coup on dit forcément ça, d'accord. The Daleks can't do this. They've never had the power to change time like this before. Ah oui, est-ce qu'ils ont changé le temps? Oui, le temps. Talking about. Look, I'm barely hanging on to my sanity as it is. Elle comprend pas. Listen to me, Sylvia. This was not supposed to have happened. 1963 was followed by 1964 and a whole lot more years after that. I have to stop whatever the Daleks have done to make this happen. Donc ils ont changé la ligne continue parce que le docteur a déjà voyagé dans ces années-là, il sait qu'il y avait jamais eu l'invasion de Daleks quoi. Parce qu'il y avait des humains. Les tunnels sont dangereux, qu'est-ce qu'il y a? Ah, encore des Daleks. Exterminé. Oui, mais c'est encore plus dangereux là. Sylvia is safe. The Daleks can't see her. But we're going to have to be very careful if we're going to get to her. Donc, don't forget that Amy is following and she needs to keep. Ah ouais, d'accord, faut faire attention à Amy parce que du coup elle nous suit, donc faut qu'elle soit vraiment bah, pas dans la zone dangereuse comme nous du coup. Alors, si on est derrière un ennemi, faut pas aller trop près sinon il va nous entendre. Et puis, si on se fait détecter, bah ça alerte tout le monde et voilà. Ça fout le bordel. Alors, super. Ils sont combien là? Donc il y a lui. Ah, je sais même pas par où il faut aller en plus. Par où il faudrait aller, tu penses? Ah, je sais pas, moi, je te l'autre côté, hein. Je pense par là. Ouais, c'est logique. Ah, par contre, ouais, il faudra vraiment régler la sensibilité parce que là, c'est un peu le bazar. Je me demande s'il va faire demi-tour ce bâtard. Elle est où, Amy? Ah, au pied. Voilà.
Ah ouais. Comme se foutre là-dedans, au cas où. Voilà. J'ai trop raison de faire ça. Ah la vache. Je savais qu'il allait faire demi-tour, c'était obligé. Allez, c'est bon, on peut y aller. Go, 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 go. Alors, j'ai pas trop compris, parce que apparemment la Renoir, enfin, la survivante, là, apparemment, les Daleks la voient pas. Alors, j'ai pas trop suivi pourquoi. Vous avez vu que les dialogues vont assez vite, et du coup, j'ai pas trop... Entre vous traduire ce qui est important, et du coup, moi, comprendre de mon côté ce qui se dit, bah, du coup, je rate un peu d'informations. Liz Ten. Cool. C'est bon, on la rejoint. Stop. Ah. C'est électrifié. We need to reroute the power somehow and fast. Ouais. Le tournevis Sonic, je dirais, sur le. Ah oui. This is going to take some manual rewiring. Ah non, il le fait directement. D'accord. Très cool. Alors, rewire fusebox. Wires must be positioned to connect two terminals of the same color. Ok, donc ça peut pas se croiser, faut que ce soit connecté à deux terminals de la même couleur. Move the mouse pointer over a color. The terminal at the pointer will turn to a small hand. Ok, press and hold the left mouse button to drag out, pour déconnecter. You must then connect the terminal to another of a machine color. Ok. On va essayer parce que j'ai pas tout bien compris. Ok, c'est le bordel. As-tu compris? Je sais que wire c'est fusible. Je peux pas écouter. Mais il faut connecter les fusibles entre de la même couleur. Oula, alors attends. Ah c'est bon, non? Ça marche pas. Ah d'accord. Ah oui d'accord, ça se déplace comme ça. Ok. Donc là, c'est un peu le... Ouais. C'est bizarre. Ah non. Ah d'accord, faut que je passe par dessus. Ben. Ah mais non. Ok, le bleu il est où? Ah il est tout en bas. Oh. On va faire le jaune déjà. Il est où le jaune? Ah oui, mais faut pas qu'il se croise. Alors, je vais passer par là, pour celui-là. Ah, j'avais oublié ça, qu'il fallait pas qu'il se croise. Normalement, le bleu, ça devrait le faire. Ah non, ça passe pas. Ça commence forcément par là. Ah bah, faut que je fasse le grand tour. Ah. Ah oui, mais attends. Attention, Sandar qui n'a pas de logique va devoir faire un truc de logique, c'est bien. Ça va être ça. Voilà. Et techniquement le bleu. Y'a pas de souci. Voilà. Yeah. J'ai réussi. The power has been diverted away from the tracks. Voilà, on peut du coup y aller. Now it's safe. We better get a move on before that Dalek spots us. Ouais, il faut y aller avant que les Daleks arrivent. Je suis d'accord. Courons. Ouais, je vais la suivre hein, pour l'instant. Où est Amy? Ouais, un peu long. Alors, qu'est-ce qui se passe? Examiner. Dynamite. Ok. Ah, j'aime bien lui parler en fait. Ah putain. Non. Hurry, doctor. The exit is just there. Ah d'accord, donc il faut qu'on y aille et puis elle va actionner. Ok. Ah, il y avait un passage un peu plus loin. Je sais pas s'il y avait quelque chose. Collectibles. Et peut-être les collectibles. Non. Non. Ils l'ont tué. C'est sérieux? Ah, bien fait. Putain. Bah oui, ils l'ont tué. Ah, ils ont changé leur patrouille. Ah, pareil, faut aller autour là, faut faire un grand tour, je pense. Il était où le TARDIS déjà? Ouais, il était où du coup? Là derrière ça? Je crois. Bon, ça va être chaud patate, mais on va y arriver.
On va y arriver. Mais climb, climb! Allez, on commence à bug. C'est juste le reproche que je fais à la jouabilité là, pour, enfin au gameplay en soi là, c'est les, bah du coup les touches, on n'a pas de pointeur souris et du coup on, je fais un peu au hasard, hein. C'est un peu chiant. Ouais, je peux lui parler, c'est bien. Alors comment ils font là? Ils font, ils balayent, ils bougent pas, c'est bien. C'est des Daleks de ménage. C'est des Daleks de ménage. Ils balayent. C'est des Conchita, hein. Mais je vois plus mon TARDIS. Est-ce que je suis allée dans la bonne direction, moi? Je le vois pas. Il est où? Je le vois. Ah, il est là. Oh, putain, il est tout petit. Alors, faudrait que... Ouais, mais faut que je fasse le tour. Parce que je peux passer, pas. Amy, fais pas la con, hein. Je peux faire un fact avec ça. Ouais, cool. Ok. Ouais, mais si je vais à côté de lui, il va me détecter, là. C'est sûr. Il va m'entendre. Et baisse-toi! Ah non, on peut pas! Ah, faut courir du coup. Le petit prend son temps, regardez-le. Mais regardez-le prendre son temps. Je pense qu'il faut s'éloigner un petit peu et puis. Ça revient vers, voilà. Voilà, c'est bon. Mais putain, la télé est là. Ok, bon, c'était pas par là. On va essayer par là du coup. Mais je pense que c'est un piège en fait, parce que le TARDIS c'est juste là, mais il y a un gros Dalek devant, donc je pense qu'il vraiment qu'il faut faire le tour, mais c'est juste que j'ai pas été assez précise, je pense. Ou soit ça a bugué, parce que là je vois bien qu'il y a deux trucs qui y vont, et quand j'étais là-bas, on voyait pas trop l'autre, le deuxième. Ok, bon. On va retourner à la voiture. Et c'est là où ça buguait à moitié. Ouais. Ah là, c'est bon. On voit vraiment comment il fait. La musique, elle fout bien la pression. Ok. On est passé. On peut juste passer par derrière lui maintenant. Ah, ici. Ah, ce n'était que le début. Ah, Amy, il se sent pas très bien. Ça va aller. It's going to be all right, Amy. I promise you, if I can analyze the time and place that the Daleks altered the timeline. I don't get it. If humanity is destroyed in 1963, how am I still here? Si l'humanité a été détruite en 63, comment ça se fait qu'elle est encore là, Amy, du coup? Vous n'avez pas censé être née. The source of the Daleks' time meddling is Skaro. Ah, Skaro, la planète des Daleks. Yeah. Coordinates set, we're going back to where it all began. Ah putain, du coup on va aller sur Skaro. Super. Super. La pression. Bon, pour l'instant ça va, c'est plutôt facile, mais en même temps c'est le premier épisode, enfin c'est tout le début du jeu, donc forcément c'est easy, mais je galère déjà, mais c'est pas grave. Non, mais c'est temps de s'habituer, et puis là c'est surtout la sensibilité de la souris qui me pose un poil problème. Et à l'épisode 2, ça sera, je vous promets, ça sera mieux. Je vais mieux jouer. Enfin, j'espère. Bon alors. Nobody home. Il y a personne dedans. Ils reconstruisent. Kallan. D'accord, ils ont reconstruit Kallan, c'est une des villes de Dalek. Don't blame you. It never stops raining, so I wouldn't go outside, even with an umbrella. The atmosphere is 30% sulfuric acid. D'accord, l'atmosphère est acide. Come on, we have to find the source of the Daleks' time manipulation and stop them. Donc là, c'est le blabla habituel de Doctor Who. Il faut qu'il trouve comment, le pourquoi du comment.
Donc il faut explorer le bâtiment. Voilà. Aha, this should contain an internal sensor. Could be useful if I can find a way of accessing it. Alors est-ce qu'on peut du coup utiliser le tournevis là-dessus? Je pense que oui. Ah oui d'accord, du coup il se met de l'autre côté. Pardon, excusez-moi monsieur le docteur. Voilà, remove internal sensor. Ok, faut pas que ça touche les murs électrifiés. Oh là! Ok, faut que je... Ok. C'est marrant comme jeu. Je tire la langue pour me concentrer. Ouais, c'est bien par là. Ah, il faut rester appuyé, c'est hyper chiant. C'est un peu des jeux pour enfants, hein, quand même, là. Yeah. D'accord, du coup, c'est dans mon inventaire. L'internal sens... Alors, c'est le truc sensible de... du Dalek. Il y a des mots, je vais pas savoir vous traduire, parce que si c'est trop scientifique, c'est mort. Je ne sais pas... Ah, elle disparaît. Comme dans Retour à le futur. Tu disparais. Quand les Daleks ont détruit l'humanité en 1963, ça a créé un paradoxe, voilà. Tu devrais exister, mais tu le fais parce que le TARDIS t'a protégé. Mais cette protection peut seulement durer si longtemps. Et le TARDIS l'a protégé du coup, mais là, ça commence à plus marcher, donc elle commence à disparaître. Pour toute l'humanité, et pour te sauver. Mais il y a des Daleks partout. Oui, il y a des Daleks partout. Mais d'abord, je dois slow down what's happening to you. The Daleks have temporal technology, I can use that. Ok, bah c'est ça, la technologie des Daleks. Blocker from Dalek spare parts. That will counter the effect of the paradox. Donc là, il va créer un truc pour un peu ralentir le paradoxe. Like you're talking English? What? C'est clair. You rest here and I'll find them and bring them back. Ok, donc il faut qu'on trouve du spare d'Alecanium colis et un control crystals. Alors, voilà, personne ne comprend rien, c'est bien. Et du coup, Amy, elle est pas très bien, donc je pense qu'elle va rester ici. Je crois que c'est ça qu'il lui a dit. Ah d'accord, bon, du coup, ça s'ouvre. Ok, bon bah je vais aller est-ce que par là on peut y aller? Ah ouais d'accord, ça ouvre tout. That wall could offer some machine to be patient and wait for the gaps in the patrols. Ok. Get down, ouais. T'as raison. Bon, ouais, ok. Ouais. Donc eux, du coup, comme ils sont en production, on les voit, ils voient rien, c'est bien. Bonjour. Je ne vous avais pas vu. Dis pas qu'il fait demi-tour parce que là, je suis dans la merde. Ah. YOLO, tag life. Ne te tourne pas par là. Merde. Oh, il m'a tué. Oh. Bah, de toute façon, c'est la fin de ce premier épisode. J'ai pas fait exprès, mais voilà. De toute façon, ça tombe pile poil avec la fin de ce premier épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît, en tout cas. Je prends beaucoup plaisir, même si je suis pas, du coup, à l'aise alors avec certains termes anglais, mais bon, ça n'empêche pas de jouer. Et avec, bah, du coup, la sensibilité de la souris, mais que je vais régler, du coup, pour l'épisode 2. Donc, j'espère que ça sera plus agréable à regarder, que je vais aller un peu plus vite que ça, parce que là, j'ai l'impression que je suis hyper lente. Mais voilà, ne soyez pas trop dur avec moi. Je débute dans le let's play, c'est mon premier let's play, donc il faut être gentil. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver dans l'épisode 2, si cela vous a plu. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Gros bisous !